Aujourd'hui, nous avons une question de Trolls par DreamWorks Animation. Pourquoi aimons-nous autant la musique? Trouvons la réponse à cette question dans l'épisode du jour de Colossal Questions. La musique existe depuis plus longtemps que les humains n'enregistrent l'histoire. Et presque tous les amoureux de la musique disent qu'ils l'aiment depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Toutefois, les scientifiques n'ont toujours pas d'idée de pourquoi nous aimons tellement la musique. Ou quelle est sa fonction, si elle en a une. Mais cela n'a certainement pas empêché les experts d'essayer de le savoir. La plupart des chercheurs sont d'accord que la musique et la danse sont d'importantes formes de communication sociale qui ont connecté des communautés depuis que les humains existent. Après tout, il n'y a pas que les trolls qui ont gardé leurs amis et leurs familles près d'eux en chantant et en dansant ensemble. Les cultures partout dans le monde ont fait la même chose pendant des siècles. Les experts ont essayé de trouver un centre de musique dans le cerveau, mais n'y sont pas parvenus. Il se trouve que différentes parties de notre cerveau sont impliquées lorsque nous écoutons et apprécions de la musique. Une étude universitaire a même pris des IRM de personnes pendant qu'ils écoutaient de la musique. Et on trouvait que les zones limbiques et paralimbiques du cerveau devenaient plus actives pendant que le sang afflue vers ces régions. Ce sont les mêmes parties du cerveau qui se mettent en marche lorsque nous faisons quelque chose qui nous fait nous sentir vraiment, vraiment, joyeusement bien. De manger un repas vraiment goûteux à tomber amoureux avec votre âme sœur. Alors, pendant que les scientifiques continuent de dérouler lentement le mystère de « pourquoi nous aimons la musique », vous pouvez mettre votre chanson préférée, monter le volume et savoir avec certitude scientifique à l'appui que la musique est géniale. Thank you.